Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. J'espère que tout le monde est très bien réveillé. Alors, ici le coach Samuel Savadogo, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent s'abonner à la chaîne, sachez que je suis investisseur, je suis coach en crypto-monnaie, je suis trader et également je suis marketeur. Alors, donc, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas, toi qui es en train de nous découvrir pour la première fois, de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Alors, avant de continuer, je voudrais te demander d'aller également à la description de cette vidéo. Alors, il y a un lien Telegram qui te permet tout simplement de rejoindre notre communauté pour ne pas manquer tout simplement les informations que nous donnons en temps réel. Alors, tout ceci étant dit, je tiens à préciser tout de suite là maintenant, je ne suis pas un conseiller en investissement. Donc, tout ce que je fais ici est à titre de passion. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, prends tout simplement le temps de faire tes recherches avant d'investir ton argent, car nous sommes des investisseurs chevronnés, tout simplement. Alors, nouvelle vidéo ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Ce matin, on va se retrouver dans les marchés de la crypto-monnaie. On a constaté depuis hier que les marchés sont en train de descendre. Normalement, depuis avant-hier, je devais vous sortir une vidéo déjà pour montrer que le Bitcoin allait descendre. Mais bon, voilà, pour vous qui me suivez depuis le début, vous savez très bien que toutes les prédictions que j'ai faites depuis le début de l'année jusqu'à maintenant ont été concrétisées. Voilà, tout a été fait tel que je l'avais dit. Et donc, je vous avais également dit que le Bitcoin n'allait même pas dépasser les 25 000 dollars et que par extraordinaire, si on dépassait les 25 000 dollars, là, on va se retrouver, voilà, quelque part vers 50 000 dollars. Mais je vous ai dit que ce n'était pas évident. Et effectivement, voilà, le Bitcoin a été refoulé au niveau des 25 000 dollars et est en train de descendre actuellement fortement. Raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo rapidement. Voilà, pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Pour ceux qui voient que le marché est en train de baisser, pour ceux qui voient que le marché est en train de couler à flot à la baisse, voilà, ne paniquez pas pour vendre vos crypto-monnaies. Au contraire, le moment où vous deviez vendre, c'était le moment où les cryptos étaient montées, où les bitcoins étaient montés à un moment donné. Voilà, c'était en ce moment-là qu'il fallait vendre. Peut-être garder vos USDT et racheter actuellement là. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vendu, ce n'est pas la peine de vendre vos actifs parce que vous allez tout simplement perdre de l'argent. Voilà. Donc, on va se retrouver très rapidement sur mon écran et je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer très rapidement les graphiques et puis bon, voilà. Donc, on se retrouve sur mon écran. Voilà. Et donc, ici, nous sommes sur mon écran et donc, voilà. Nous sommes dans les marchés de la crypto-monnaie ici. On a un Bitcoin qui va à 19 000 dollars. Waouh, c'est super. Alors, donc, vous voyez, toujours mes tracés sont encore là. Mes tracés sont encore là. Les tracés sont encore là. Voilà, on va repartir au niveau de la montée. Je vous avais dit, si le Bitcoin dépassait les 18 000 dollars, on allait aller chercher les 21 000 dollars. Et que si on dépassait les 21 000 dollars, on venait aux 25 000 dollars. Toutes ces vidéos sont encore sur ma chaîne, vous pouvez aller les revoir. Et c'est ce qui s'est également passé. Et j'ai dit que c'est pas évident de sortir d'ici les 25 000 dollars parce que c'était vraiment une forte résistance. Et donc, le Bitcoin revient ici, ça devient un support. Et donc, là, regardez, voilà, je devais faire une vidéo avant que cette bougie ne naisse. Si le Bitcoin cassait ici fortement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on va revenir à la baisse. Et donc, le prochain niveau, ça sera les 18 000 dollars. On est déjà à 19 000, on est capable de toucher les 18 000. Voilà, cette journée. Et si on casse fortement les 18 000, alors on vient aux 15 000. Alors, si par extraordinaire, on cassait les 15 000, alors le Bitcoin va descendre au niveau des, voilà, 9 000, 10 000 dollars. Voilà. Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. C'est quelque chose de très intéressant parce que en ce moment-là, on va profiter tout simplement pour acheter encore des cryptos et acheter, 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 attendre vraiment que le marché remonte. Voilà. Donc, alors, je profite en même temps de cette analyse pour parler de tous ceux qui m'ont suivi dans les business Royal Q. Voilà, vous voyez actuellement, vous allez constater que votre robot va acheter et acheter et acheter et acheter. Le solde va légèrement reculer dans votre compte. La valeur du solde va légèrement reculer dans votre compte. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en perte. Non. Le robot a acheté des crypto-monnaies qui vont remonter et ça va vous donner tout simplement de l'argent. Alors, si Royal Q vous intéresse, n'hésitez pas à aller à la description de cette vidéo. Je vais mettre une vidéo qui parle tout simplement de Royal Q, qui relate tout, qui explique tout et tout, tout, tout. C'est un robot automatique qui achète et revend les crypto-monnaies, l'achète lorsque le marché descend et revend légèrement lorsque le marché remonte pour vous générer tout simplement des profits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK? Parfait. Donc, c'était une analyse rapide pour vous montrer, voilà, réellement, pour vous dire également de ne pas vendre vos crypto-monnaies, gardez-les et apprêtez-vous, ceux qui ont de l'argent, voilà, pour commencer à acheter dès maintenant. À 19 000 dollars, le Bitcoin, c'est bon à acheter.
Voilà, même si Bitcoin descendait à 9 000, 10 000 dollars, c'est toujours bon d'acheter à 19 000, 18 000, 17 000, 15 000, 10 000. Voilà, tout ça, ce sont des niveaux d'achat. Raison pour laquelle je vous conseille de faire du DCA. Voilà, j'ai fait une vidéo dédiée au DCA. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous faites du DCA. Là, les DCA vont vous aider à acheter des cryptos chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vous mettez le montant et chaque jour, vous ordonnez, voilà, à votre plateforme d'acheter tout simplement des cryptos pour vous donner. Donc, voilà, c'était vraiment la vidéo du matin. On va se retrouver dans les Coin Market Cap pour voir à quoi ça ressemble. Tout, 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 tout. Pendant ce temps, mon écran, ça charge. Et donc, voilà. Donc, on le constate très bien. Hein, ça descend. 19 000 dollars, 1 400 pour l'Ethereum. Donc, en 7 jours, vous voyez, on est à moins 11, moins 10%, moins 14. Voilà. Il y a des cryptos qui font du moins 17. Bon, je pense même qu'il y a des cryptos qui font moins 30, moins 40%, moins 15. Donc, vous voyez. Donc, vraiment, c'est cela, quoi. Voilà. Donc, tous les marchés sont en baisse. Tous les marchés sont en baisse. On n'exclut aucun marché. Tout est en baisse, les amis. Donc, voilà. C'est top. Et donc, il faut privilégier maintenant les achats. Les achats en repli, ce sont les opportunités. Voilà. Et si tout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification. Abonne-toi à la chaîne. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Abonne-toi, oui. Voilà. Et donc, tu as fini de t'abonner, c'est super. Va à la description de cette vidéo. Il faut cliquer tout simplement sur le lien pour rejoindre notre groupe Telegram. N'oublie pas, j'ai laissé le lien YouTube de la présentation Royal Q. Vas-y voir et n'hésite surtout pas à prendre ce bot là car c'est un robot très intelligent qui va te faire du trading spot, tu vas pas te faire perdre de l'argent. Voilà. Et donc, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Voilà. Nous sommes déjà à plus de. Voilà, excusez-moi. Nous sommes déjà à plus de. Voilà. Je vais sur la chaîne. Et donc, voilà. Nous sommes déjà à plus de 1930 abonnés. Je vous remercie. Voilà, on continue. Je vous ai dit qu'à 2000 abonnés, à 2000 abonnés, je vais faire un cadeau sur la chaîne ici. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker pour qu'on puisse très rapidement atteindre les 2000 abonnés. Et il y aura un cadeau très intéressant qui va se faire. Donc, alors, on va se retrouver tout simplement dans une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Et donc, alors, bonne journée à tous et ciao, 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 ciao.